le poi peut être considéré comme le pain des habitants de Rurutu. Pour eux, le poi peut accompagner toutes sortes de plats. Des plats locaux, comme des plats occidentaux. Par exemple, on mange souvent du poi avec de la crème glacée là-bas. Comme pour le kaku des Marquisiens, pour préparer du poi, on utilise un pilon. J'ai l'impression qu'ils veulent t'impressionner en frappant fort aujourd'hui. Je pense que si un avion passait au-dessus de nos têtes, les passagers entendraient leur coup de pilon. Chacun a sa façon de faire. Il faut écraser le taro cuit à petit feu pendant au moins 3 heures afin de bien le ramollir. Généralement, ce sont les jeunes qui préparent le poi, car il faut mettre toute sa force dans le geste et retourner pendant au moins une demi-heure la pâte épaisse. Ce que vous voyez fait partie de notre quotidien. Ici, on a fait simple. À la maison, c'est différent. On choisit le meilleur taro et on mélange les saveurs. Dès que quelqu'un passe devant chez nous, on lui fait signe de venir manger. La plupart continuent leur chemin. Certains s'arrêtent pour parler et d'autres se joignent à nous. C'est ainsi que l'on se comporte à Rurutu, même s'il n'y a pas beaucoup à manger sur la table quelquefois. C'est comme ça. Le poi se mange à la maison le dimanche lors des repas avec des amis ou directement dans les fa'apu où tout le monde est invité, les passants, les touristes et même le policier qui fait sa ronde.